spectateurs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme, eh bien écoutez, ça sera à peu près comme la semaine dernière, c'est-à-dire que nous allons continuer à parler du père Castellani avec Éric Audouard, toujours ce jésuite argentin, le père Leonardo Castellani, qui est un immense auteur, un grand poète, un grand exégète, et par ailleurs un dissident très ferme contre le monde moderne. Ensuite, nous recevrons de nouveau l'abbé Michel Viau, qui cette fois vient parler de la loi de bioéthique et de la façon que les catholiques notamment, mais toutes les personnes attachées à la loi naturelle, pourraient utiliser pour faire avancer leurs idées et résister aux déconstructions anthropologiques. Et enfin, comme souvent, je vous proposerai quelques recensions de livres, quelques pistes de lecture pour l'été. J'ai de nouveau le plaisir d'accueillir Éric Audouard, qui est le traducteur du père Leonardo Castellani. Nous parlions la semaine dernière de cette très belle anthologie qu'a publiée Éric Audouard chez Arthège, qui s'appelle « La vérité ou le néant ». Et je voulais revenir maintenant un peu sur la biographie de cet écrivain tout à fait surprenant, original et passionnant, qu'est Leonardo Castellani. On disait la semaine dernière que c'était un jésuite. Par ailleurs, c'est un très grand auteur, une très grande plume, un homme de culture. Par ailleurs, il a fait de la politique. Comment vous définiriez-vous Leonardo Castellani? Parce que c'est très original d'avoir toutes ces compétences-là, toutes ces cordes à son arc, sur une seule personne, en quelque sorte. Je dirais que c'était un arc. Alors, les cordes, il y en a eu. Beaucoup ont craqué, si vous voulez. L'accord politique a craqué très vite. Hein. C'était vraiment un patriote. À un moment donné où l'Argentine commençait à se vendre à la découpe, comme nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, il a évidemment eu des affinités avec le milieu nationaliste. Mais c'est pas la principale chose qui a causé son exclusion, puisque on voit tout de suite. La possibilité là d'un hiatus avec la Compagnie de Jésus, qui a vraiment créé son exclusion, ce sont plutôt ses vertus, si vous voulez. D'accord. Pour le dire très simplement. Est-ce que c'est pas un peu rude de dire un truc comme ça? Enfin, c'est quand même invraisemblable qu'un prêtre soit chassé d'une congrégation pour ses vertus. C'est invraisemblable que le Christ ait été crucifié. C'est vrai. Pardon, je vous ai coupé. Allez-y. Le don de la croix qui était mis en prison, pas par l'islam, pas par des païens. C'est vrai, par l'inquisition. Hein. Histoire très ancienne, je pense qu'il y a des moments dans l'histoire, je ne dis pas que tous les moments, que l'Église s'est montrée à tous les moments sous la face de cochons et des religieux de Tolède, mais il y a des moments où certains êtres deviennent des signes, si vous voulez. Absolument. De ce qui se passe à l'intérieur de l'institution ecclésiale. Ce que Castellani a vu, c'est qu'il était entouré par des êtres à théologie variable, je dirais, et sa radicalité, sa sincérité, ont été très 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 mal reçus par ceux dont le oui est un ça dépend ou le non est un peut-être. Est-ce que vous pouvez nous situer ces dates? Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est rentré dans la Compagnie de Jésus? Et quand est-ce qu'il est mort pour faire court? Parce qu'on a l'impression, à vous entendre, que c'est la lutte contre le néo-modernisme post-conciliaire, mais c'est bien avant, en fait. Les problèmes qu'il a avec la Compagnie de Jésus sont anciens, en fait. La crise de l'Église a commencé bien plus tôt, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est le grand écueil de ceux qui s'acharnent sur l'Église conciliaire, c'est-à-dire qui a fait l'Église conciliaire, les évêques préconciliaires. Et Castellani a été châtié par les évêques préconciliaires. C'est ça. Il a rappelé leur devoir, déjà, de s'occuper un petit peu mieux de ce qui se passait dans les séminaires, de la formation, du recrutement, etc. Et il a vu très très vite aussi que ce qui était, si vous voulez, bien avant Vatican II. Donc, il est né en 1899, que je répète, je réponds à votre question. 1899, il entre dans le tour de 14 ou en 18 à peu près chez les jésuites. Il est ordonné en 24, quelque chose comme ça. Il fait ses études ensuite en Europe. Il a une,
il fait des voyages, des études en Europe, ça veut dire Angleterre, France, Italie, il est Allemagne. Il a une formation universitaire spectaculaire qui va de la philosophie, de la métaphysique à la psychologie. C'est là qu'il va même avoir son diplôme principal. Il va écrire sa thèse qui va s'appeler « La catharsis catholique dans les exercices spirituels d'Ignace de Loyola », qui est un texte formidable, qu'il écrit en français d'ailleurs, oh là. Là-bas. Il fréquente les époux maritains à un moment donné, c'est ce que j'ai vu. Il rencontre Claudel, vous voyez, il est jeune, tout jeune à cette époque-là. Il rentre, il est, à mon avis, plein de force, plein d'enthousiasme. Il est le principal introducteur de Claudel en Argentine. D'accord. Il a écrit une quantité de textes que j'ai traduit d'ailleurs. J'ai traduit beaucoup, beaucoup de choses que vous ne pouvez pas lire malheureusement, faute d'éditeur. Sur Claudel, donc il se détachera plus tard parce que le catholicisme fanfaron n'était pas très, n'était plus devenu son. Sa tasse de thé. Il voit quelque chose là de beaucoup trop glorieux par rapport à ce qui va justement lui arriver dans sa vie, c'est-à-dire calvaire effroyable à partir de 49, après avoir commencé une carrière de journaliste, d'écrivain assez copieuse. Il écrit beaucoup de livres. Et là, il est cassé, il est brisé par le général des jésuites local, et il décide de faire une chose un peu folle, c'est-à-dire d'aller défendre sa cause à Rome. Ouais, c'est ça. Et là, ses ennuis vont évidemment commencer. Il sait bien que c'est quelque chose de très dangereux qu'il fait, et ça va être vraiment un calvaire que j'ai raconté longuement dans une introduction, à l'introduction au Verbe dans le sang, la première anthologie. C'est cette espèce de roman qui est vraiment un roman de Castellani. Sa vie est folle. Parce qu'il va être condamné à la réclusion, reçu par le révérend père général des jésuites à Rome, qui s'appelle Janssen. Ouais. Cinq minutes. Voilà. Et son sort est réglé, puisqu'on lui demande soit d'accepter la réclusion. Il est reclus. Il accepte la réclusion et il va en Espagne, à Manresa, où il va tenir 2 ans dans des conditions épouvantables. Imaginez qu'on lui injectera des piqûres de sulfasine, c'était un produit très utilisé dans le goulag plus tard. Ouais. Il est au bord de devenir fou, parce que vraiment, il est parmi des gâteux, des baveux et des semi-tarés. Et il arrive à s'évader, il s'évade. L'histoire de son évasion est un pur roman. Il allait régulièrement se baigner dans un petit lac qui était juste à l'intérieur de l'enclos et il avait préparé un subterfuge, mis ses vêtements, des vêtements sur le bord du lac pour faire croire qu'il s'était noyé. C'était ensuite réfugié dans une voiture d'un capitaine qui l'aidait, pris l'avion. Etc. Il y a même un épisode où il arrive à l'aéroport en Espagne. Il croit arriver en retard et il descend à la poursuite de l'avion sur la piste. D'accord. Vous imaginez. C'est bien. Nage. L'avion s'arrête et il monte et il part. D'accord. Et quand il arrive ensuite en Argentine, on lui avait refusé d'aller assister à l'enterrement de son frère. Il faut bien dire aussi qu'il y avait des raisons à cette évasion, des raisons particulièrement douloureuses. Et il arrive là-bas et tout va être interdit, presque même le logement, la possibilité de travailler, par les autorités ecclésiastiques, tout simplement, acharnées systématiquement. La suite des choses est assez providentielle pour lui, parce que toutes les portes vont se fermer, mais il y aura à chaque fois, mais vraiment une extrémis, plus que pour Daniel dans la fosse aux lions. Je pense que le sauvetage est venu dans des moments auxquels nous n'aurions pas survécu nous-mêmes. Et il y a des gens qui vont lui venir en aide peu à peu. Il va retrouver la possibilité d'enseigner, la possibilité parfois de prêcher un petit peu, même s'il est suspendu à Divinis, c'est pour vous dire les contradictions qu'il y a. Quand il sera là, il va se réfugier dans la montagne argentine, et là il sera autorisé à dire la messe, mais pas à Buenos Aires et pas dans d'autres provinces, etc. Donc ça, cette situation-là va durer jusqu'en 1966. D'accord. 49-66.
En 66, son ministère sacerdotal lui sera restitué avec une discrétion totale, évidemment, sans jamais alléguer les motifs de son accusation, puisqu'il a réclamé un procès toute sa vie, ouais, pour savoir pourquoi il subissait cet ostracisme. Il ne l'a jamais eu. Donc on lui restitue son ministère en 66. En 71, les jésuites lui demandent de réintégrer l'ordre, en tout cas lui demandent s'ils veulent le réintégrer. Et à ce moment-là, il est très malade, il a un cancer de la langue. Et je pense qu'il en a relativement assez des autorités jésuites. On peut le comprendre, oui. On peut le comprendre. À l'époque. Et il décline, mais voilà, il a passé tout ce moment. Il meurt en 81, parfaitement épuisé. Et la bascule, si vous voulez, entre la première période de sa vie et la seconde, c'est la radicalité religieuse. Je pense qu'il est vraiment devenu... Il a évidemment abandonné toute... velléité de politique. Il s'est concentré sur le noyau de l'enseignement religieux, l'exégèse aussi, et l'étude principalement de la prophétie christique et de l'Apocalypse de Saint Jean, puisque son expérience à lui était, alors évidemment avec l'expérience mondiale, il faut bien voir qu'il a vécu avec une angoisse folle la Seconde Guerre mondiale à distance, mais il a bien vu que l'Europe est en train de s'effondrer, de se détruire elle-même. Il a vu l'apparition de la bombe nucléaire, donc il entre dans la guerre froide et dans ce monde glacé de l'ostracisme argentin où il se trouve, en même temps, simultanément, et il a ce sentiment d'une urgence apocalyptique, et il se met à étudier ça. Ce qui ne va pas du tout arranger son cas, puisque les autorités préconciliaires ont précisément arrêté de prêcher l'Apocalypse en 45. Vous savez, entre 45 et aujourd'hui, il y a eu un vide, un néant absolument complet sur la question apocalyptique. On ne lisait même plus l'Apocalypse à l'Église. Donc il s'est intéressé beaucoup à ça, et d'une façon, pour moi, pour en revenir à ce dont nous avions parlé la dernière fois, tout à fait précieuse, riche, et vitaminée évidemment, mais appropriée pour la conscience des chrétiens que nous sommes aujourd'hui. Ouais, absolument. Qui est peut-être celle des derniers chrétiens, si absolument. Vous voulez. On a un point. Tout à fait. On a l'impression que c'est le dernier prophète pour les derniers chrétiens. C'est tout à fait l'impression que ça donne. En parodiant James Joyce, la fin du Dédalus de Joyce, en disant que Castellani avait façonné dans la forge de son âme la conscience incréée des derniers chrétiens. Vous voyez, c'est une formule strique, mais je pense profondément en réalité. Et c'est une chose qui le rend dans le corpus, disons, dans l'armée des formidables écrivains catholiques que sont Chesterton, Belloc et d'autres, Cardanos, qui le met à la pointe, je dirais. Comme un paratonnerre et un avertisseur pour nous. Merci beaucoup, cher Eric. Malheureusement, le temps file trop vite. C'était une émission passionnante et vraiment, cette figure de Castellani mérite d'être découverte et d'être abondamment promue. Merci de ce travail incroyable qu'est La vérité et le néant. Vraiment, je ne sais trop comment vous en conseiller, chers amis téléspectateurs, de lire ça. C'est vraiment une découverte vraiment lumineuse, lumineuse avec toute l'obscurité aussi de la brutalité moderne, mais il n'empêche que c'est une figure absolument éblouissante. Merci beaucoup donc, cher Eric, pour cette émission et pour ce travail. Sur le plateau de Terre de Mission, et j'ai le plaisir de recevoir de nouveau l'abbé Michel Viau. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour. Vous étiez la semaine dernière sur ce plateau pour parler de la commune. On va parler d'une autre forme d'anticatholicisme plus contemporaine, la loi de bioéthique. Alors, nous enregistrons le jour du vote ultime de la loi de bioéthique, donc nous ne savons pas encore au moment où nous parlons le résultat, mais il ne fait guère de doute que la majorité présidentielle va s'empresser d'offrir à notre vénéré président la loi qui, paraît-il, a promise en campagne, ce qui est d'ailleurs, soit dit en passant, faux, mais peu importe. Objectivement, c'est un échec. Il ne faisait pas mystère, en tout cas, de son. Il ne faisait pas mystère de ses affinités, oui, c'est clair. Pour nous, catholiques, et pour nous, personnes attachées à la loi naturelle, c'est un échec, il faut le dire.
Nous n'avons pas réussi à peser sur les événements, alors nous avons pesé au Sénat avec un certain succès. Plusieurs fois, nous avons nettement amélioré le texte, qui était globalement mauvais. Donc on a amélioré des choses qui étaient mauvaises, mais enfin on a amélioré quand même. Et malgré tout, tout a été blackboulé, puisque l'Assemblée n'a rien voulu entendre, le gouvernement n'a rien voulu entendre, et donc cette loi est passée telle qu'elle, c'est-à-dire pratiquement non amendée, ce qui est juste stupéfiant du point de vue du mépris du droit parlementaire, mais on a l'habitude. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cet échec, et en particulier le fait que nous ne soyons pas capables de peser dans la vie politique ? Il y a d'abord un premier point, c'est la question du mépris du Parlement. Vous avez justement souligné cela. Nous sommes dans une constitution qui prévoit deux chambres, fort sagement, et la moindre des choses, surtout quand on est à quelques, enfin, même pas un an, d'une élection législative, c'est que quand même les députés, en général, ils prenaient quand même en compte ce que disaient les sénateurs. Absolument. Là, avec un mépris souverain, et à la limite, certains diraient suicidaire. Non, c'est plus suicidaire. Pourquoi ? Parce que c'est ce maudit quinquennat qui fiche tout par terre. – Absolument. – Les députés qui vont être élus dans 5 ans, ils vont être élus en fonction du président qui va être élu, et non pas en fonction de leurs électeurs dont ils se contrefichent complètement. – Absolument. – Donc ça, le système est faussé, et tant que ce système existera, vous aurez des loupés de ce genre. Maintenant, alors, sur la loi elle-même… – Juste parenthèse, pour soutenir ce que vous dites, nous venons d'avoir des élections locales, alors ce n'est pas, évidemment pas des élections nationales, mais nous venons d'avoir des élections locales où les triomphateurs… triomphe entre 14 et 20% des inscrits, ce qui est incroyable, oui, au deuxième tour, je précise. Mais, oui, mais ça montre que le peuple français n'est pas si bête que ça. Absolument. Et qu'il a compris que le vote ne servait pas à grand-chose. Le jeu est faussé. Bon, et que peut-être, je dis peut-être, nous pourrons utiliser l'abstention comme étant un acte civil et moral pour le second tour des présidentielles l'an prochain. C'est une chose à laquelle il faut penser. Absolument. Ça, je le dis pour les politiques, qu'ils y réfléchissent bien. Parce qu'à vouloir tromper son monde, il y a un moment où ça cesse. Hein. Bon. Alors, la loi de bioéthique, maintenant. Alors là, il faut être très clair. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui ne se rendent pas compte de tout ce que cela va changer. Que c'est une autre conception de la civilisation, une autre conception de l'humanité qui est là et qui n'a rien à voir avec ce qu'ils ont connu jusqu'à présent. Ou même, je dirais, qu'on soit catholique ou non catholique, on était quand même quelque part attaché à des valeurs de notre civilisation géodécrétienne qui passait par Rome et par Athènes. Notamment l'inaliénation du corps humain, ce qui est vraiment fondamental. Voilà, la famille aussi. Or, tout ça est fichu par terre au nom d'une nouvelle conception de l'homme avec, il faut connaître l'ennemi, il faut désigner l'ennemi. On voit très bien que dans cette, ce groupe de La République En Marche, il y a quand même des gens qui dirigent. Et la tête pensante de cette affaire, c'est Jean-Louis Touraine. Il n'y a aucun doute là-dessus. Professeur de médecine, bon, qui appartient à une association qui s'appelle le Grand Orient de France, qui pèse de tout son poids sur cette réforme et qui, bon, qui s'est toujours prétendu être un laboratoire d'idées et une conscience de la République. Enfin, moi, je me demande au nom de quoi, au nom de qui ils se prétendent cela. Enfin, parce qu'ils ont été élus par personne de citoyen, vous n'êtes pas allé voter pour eux, n'est-ce non, pas ?– En tout cas, je ne suis pas électeur au Grand Orient. Chers amis téléspectateurs, c'est un scoop, mais je ne suis pas… – Moi non plus. Alors voyez, je trouve que ça, c'est quand même extrêmement dangereux qu'un lobby pèse comme ça aussi lourd sur des législatives. D'autant qu'une partie significative des parlementaires, y compris de l'opposition d'ailleurs, accordent une relative conscience quand même à leur rapporteur, ce qui est sain de façon générale, mais ce qui est très malsain dans le cas d'espèce. J'ai juste un exemple très précis en tête. La veille du vote en première lecture de la bioéthique au Sénat, je croise dans la cour du Sénat un ami sénateur qui me demande ce que je pense de la PMA pour toutes. Je lui explique pourquoi je suis opposé à la PMA pour toutes, mais je lui dis, mais évidemment, le plus grave n'est pas ça. Le plus grave, c'est la recherche en embryons, les embryons chimériques, etc. Et le sénateur, on était moins de 24 heures avant le vote. Hein. Le sénateur me dit, tu charries, il n'y a pas ça dedans.
J'ai dit, enfin, est-ce que vous avez ouvert le projet de loi ? Il faisait confiance à ses rapporteurs, ce qui est très bien. Sauf que sur des sujets aussi graves, on a, je pense, moi, mon estimation, c'est que 75% des parlementaires n'ont pas ouvert le projet de loi. Et donc, opposition et majorité réunies. Et donc, on a laissé un poids au lobby absolument colossal. Et il faut garder en tête que il y a des accords majorité-opposition qui dépassent largement les clivages politiques. Je pense à Alain Milon, le président de la Commission des affaires sociales du Sénat, qui avait eu l'idée géniale au début, heureusement on ne l'a pas suivi jusqu'au bout, mais avait eu l'idée géniale de prendre Macron sur sa gauche en légiférant tout de suite sur la GPA, dite éthique. Faut voir aussi qu'il y a des clivages politiques, mais il y a aussi des clivages anthropologiques qui sont beaucoup plus graves en fait, voilà, que les clivages. – Je voulais tout de suite démarrer par l'anthropologie, parce absolument. Que c'est de ça dont il est question, ce n'est pas une question de parti, absolument. C'est de ça dont il est question. Et là, vraiment, il faut être d'une très grande fermeté. Parce que, évidemment que ça va être voté, évidemment, 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 et au moment où nous allons être diffusés, bien sûr, ça sera voté, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais… on ne va pas regarder en arrière ce qui est fait, mais je dis quand même que les catholiques ont mal manœuvré dans cette affaire, car il était bien clair que depuis 2013, à partir du moment où le mariage pour tous était voté, alors qu'on avait pu mettre plus d'1 200 000 personnes dans la rue, et qu'on ne s'est pas organisé politiquement, comme vous le savez mieux que moi, comment il faut faire, hein, bon, et qu'on en a, on a absolument pas fait ce qu'il fallait faire. Je ne dis pas qu'on n'a rien fait, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Alors on ne va pas s'éterniser là-dessus, c'est du passé. Je ne dis pas du passé, faisons table rase. Mais il faut retenir les leçons. Il faut retenir les leçons et ne pas recommencer. Parce que là, nous aurons bien sûr la GPA, mais il va y avoir quand même à gérer les horreurs qui sont prévus. Bon, on a renoncé par exemple à ce que j'appelle le fœtus baladeur. Vous savez, pour que les deux mères puissent se sentir maman des deux, eh ben ils séjournaient quelques mois dans le ventre de l'une et quelques mois. Bon, alors on a retiré ça de la loi. Heureusement, parce qu'on a fait quand même remarquer que c'était dangereux pour la vie du fœtus et aussi dangereux pour la vie des femmes. Et des soi-disant deux mères. Et des soi-disant. Alors on l'a retiré. Mais on a quand même maintenu l'interruption médicale de grossesse IMG à 9 mois. Et avec pour des traits psychosociales, ce qui ne veut strictement rien dire. Voilà, c'est-à-dire que l'enfant, qui n'a aucun défaut, rien du tout, bon, j'en peux discuter sur la question. – Il y a beaucoup à discuter, bon, évidemment. Bon, – mais bon, on a peu de temps. L'enfant qui n'a aucun défaut, eh bien, s'il en aura un, c'est que sa mère, pour être en détresse psychosociale, n'en veut pas. Alors, pour ne pas faire un infanticide, on va le tuer dans le ventre de sa mère, c'est-à-dire avec une piqûre de chlorure de potassium. Voilà, bon. Alors, comme c'est ce qu'on met, c'est la piqûre finale des condamnés à mort aux États-Unis. Absolument. 9 mois, c'est de l'infanticide. Absolument. Alors, évidemment, on ne pourra pas dire que c'est de l'infanticide, puisqu'il sera dans le ventre. Sera un féticide. Voyez-vous. Et on va habituer, alors en plus les médecins, à pratiquer l'avortement à 14 semaines avec cette fameuse pince que j'ai montrée dans mon blog vidéo que vous avez vu, pour écraser la tête et démembrer, puisque l'ossification a commencé. Donc pour vraiment, voyez-vous, il y a une espèce de cynisme aussi, parce qu'il faut vraiment donner conscience que l'on détruit la vie humaine. Absolument. Là, on a Prométhéen, en fait. On a besoin de montrer qu'on est maître de la vie. Voilà, qu'on est maître de la vie et que c'est l'homme qui est maître de la vie. Et là, je pense que l'Église doit dire non. Elle l'a déjà dit, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Mais il faut le manifester. Oui, c'est la raison pour laquelle je me suis réjoui de voir, par exemple, que les évêques américains, la majorité des voix, la grande majorité, avaient refusé de donner la communion à M. Biden. Et je pense qu'il faudra faire de même, et aller même plus loin. C'est pas un sacrement, mais refuser les obsèques religieuses à ceux qui ont voté ou participé à ces choses, parce qu'on ne nous laisse même plus la liberté de conscience aux médecins. On vient de leur retirer aussi la liberté de prescrire à propos du Covid. Alors, on leur ôte la liberté de conscience. Je me demande ce qu'on va leur ôter encore la prochaine fois. – Merci beaucoup, cher monsieur l'abbé. Très bon été, évidemment. Et nous nous reverrons très, très prochainement à la rentrée, sans doute, pour de nouveaux combats politiques et anthropologiques de première importance. Merci, monsieur l'abbé. – Ce n'est qu'un début. – Ce n'est qu'un début. Nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et donc, comme je vous l'ai annoncé, je vous propose quelques pistes de lecture pour cet été. Alors, elles sont moins légères que la semaine dernière, mais je pense que c'est important aussi de se prendre des lectures un peu roboratives pour l'été.
La première que je vous conseille, le premier livre que je vous conseille, c'est un livre de Joseph Yacoub sur les Assyro-Chaldéens. Joseph Yacoub, c'est un professeur honoraire de sciences politiques à la Cato de Lyon, et donc évidemment lui-même est chrétien d'Orient, Assyro-Chaldéen. Les Assyro-Chaldéens, donc c'est ces personnes, ces chrétiens de l'origine hein, qui parlent l'araméen, dont la liturgie est encore l'araméen, c'est-à-dire qui parlent la langue que parlait le Christ. Évidemment, il y a eu des évolutions, hein. C'est comme le français, on ne parle pas tout à fait le même français que Molière ou que le XIIIe siècle, mais il n'empêche que ces gens qui ont été massacrés abondamment par l'Empire ottoman, par l'islam, avant même l'Empire ottoman, et aujourd'hui par les massacres de l'État islamique en particulier, hein, ils ont été chassés de cette zone, il n'en reste quasiment plus d'ailleurs sur leur terre de naissance, qui en gros l'Irak et la Syrie. Ces Assyro-Chaldéens qui ont payé un prix fort aussi au génocide qu'on appelle arménien, mais qui est en fait le génocide de tous les chrétiens de l'Empire ottoman en 1915. Joseph Yacoub écrit un très beau livre de mémoire, Les Assyro-Chaldéens, mémoire d'une tragédie qui se répète. Évidemment, la tragédie, vous comprenez bien, hein, c'est l'extermination, hein, c'est vraiment de l'ordre du génocide. Cette immense culture, qui est vraiment décisive pour l'histoire du monde, cette immense culture a quasiment disparu de son lieu de naissance. Et c'est une tragédie. Et donc, évidemment, il est urgent qu'on fasse tout, nous, chrétiens occidentaux, pour faire en sorte que les Assyro-Chaldéens puissent vivre sur leur terre d'origine. Et aussi pour qu'en Occident même, on promeuve leur culture pour qu'elle ne meure pas. Deuxième suggestion de lecture, Xavier Martin, vous connaissez sans doute, chers amis téléspectateurs, cet immense historien du droit, qui, livre après livre, tous les ans ou tous les deux ans, nous propose un travail incroyable sur la philosophie, l'anthropologie des philosophes des Lumières. Alors, vous entendrez philosophe entre guillemets et lumière entre guillemets, parce que la réalité c'est que c'est de la très mauvaise philosophie et que c'est très peu éclairé, mais donc Xavier Martin sur pièce, en lisant Voltaire, en lisant Diderot, en lisant tous ces grands auteurs du XVIIIe siècle, montre quelle est leur vision de l'homme et de la société. Et alors ça donne dans le dernier petit ouvrage qu'il a publié là-dessus, ça s'appelle « L'homme rétréci par les Lumières », le titre dit tout évidemment. En fait, il se pose la question, pourquoi est-ce qu'on continue à penser que les Lumières sont une source d'humanisme alors que les prétendus philosophes des Lumières sont profondément anti-humanistes, ont un mépris souverain pour l'homme, qu'ils considèrent comme une machine ou comme un animal, ils essayent de le rabaisser le plus possible. Évidemment, en le rabaissant, leur objectif, c'est de rabaisser l'anthropologie chrétienne, hein, qui est extraordinairement admirative et émerveillée par la nature humaine, hein, qui a été quand même revêtue par Dieu lui-même. Hein, donc pour nous, c'est pas tout à fait rien. La nature humaine, c'est pas... pour nous, le corps est pas du tout quelque chose de méprisable. Il s'en faut de beaucoup. Le Christ a revêtu notre corps. Et donc Xavier Martin décrit absolument admirablement cette illusion républicaine sur le prétendu humanisme des Lumières, et j'espère qu'enfin il sera écouté et qu'enfin nos transmetteurs de la pensée, du savoir, nos éducateurs, nos instituteurs, nos professeurs comprendront que les Lumières ne sont pas un acte d'humanisme. Dernier, donc c'est paru chez Dominique Martin-Morin, pardon. Xavier Martin, L'homme rétréci par les Lumières, chez Dominique Martin-Morin. Et dernier ouvrage que je voulais vous proposer, c'est un ouvrage de l'abbé Aulagnier, un ouvrage quasiment posthume, je ne sais pas s'il l'a vu de son vivant, qui s'appelle La grande histoire de la messe interdite. En tout cas, moi je l'ai reçu après sa mort. La messe interdite, c'est évidemment la messe traditionnelle que l'abbé Aulagnier et beaucoup d'autres ont maintenu contre vents et marées pendant des décennies. Hein. Et donc c'est un recueil, alors c'est un peu de briquet de broc, c'est très, très décousu, mais pour ceux qui n'ont pas connu ce grand combat pour la messe, dont les droits ont été reconnus par Benoît XVI, hein, dans le Motu Proprio Summorum Pontificum, c'est très important de découvrir ces faits, ces documents, ces grandes figures de la résistance. Voilà, La grande histoire de la messe interdite par l'abbé Paul Aulagnier, qui était donc un prêtre de la Fraternité Saint-Pédis, qui a été un des fondateurs de l'Institut du Bon Pasteur,
et qui a publié ça aux éditions Ilion. Voilà, ainsi s'achève notre émission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mojande qui animera l'émission. Nous nous retrouverons, je pense, à la rentrée. D'ici là, que Dieu nous garde.